Thomas Couture, producteur d'œuvres de Saint-Anselme dans le comté de Bellechasse. L'entreprise Alfred Couture Limité a été fondée par mon grand-père et mon père en 1945. Et moi, je me suis intégré à l'entreprise en 1974. On produit du porc, on produit du dinde, on produit du poulet et on produit également des œufs depuis 1934. Ma sœur et moi, avec mon père, bien là, on a développé la compagnie. Au départ, quand on est arrivé, on était à peu près 15-20 employés. Puis aujourd'hui, maintenant, on est rendu 200 employés. Laurence Couture, vice-présidente d'Alfred Couture Limité. Quand mon père m'a demandé de venir travailler pour lui, j'ai réfléchi 6 mois. Après ça, je me suis envenue travailler. Puis j'ai toujours aimé ça. Moi, je suis arrivée en 76. Je pensais pas tant travailler avec... étant donné que c'était un métier d'homme. J'étais la première femme sur le payroll en 1976. J'ai fait ma place au fil des années. Mon frère était là depuis 2 ans. Moi, j'arrivais après. Je m'occupe aussi des achats, surtout l'achat de matières premières pour la munerie, puis toute l'administration générale. En 88, on a passé au feu. On s'est relocalisé à Saint-Apollinaire. On a racheté une munerie existante à l'époque. Et puis cette munerie-là a repassé au feu en 2009. Et c'est ça qui nous a amené à bâtir un bâtiment tout nouveau à la fine pointe de la technologie. Ici, comme vous voyez dans Écoval, notre dernière ferme, on a pensé au bien-être animal, mais aussi on pense beaucoup au bien-être de nos employés. Pierre Dubois, agronome responsable de la division avicole chez Alfred Couture. Mon rôle, c'est de m'occuper de toutes les activités de la production concernant la division avicole chez Alfred Couture. On a choisi pour ferme Coval d'opter pour le système de logement aménagé, qui est un système qui est doté d'équipements qui permet à la poule d'exprimer son comportement naturel, tel que se percher, aller nicher dans un petit coin isolé. C'est un principe fondamental du concept de bien-être animal. Pour nous, c'est très, très important. On s'est doté de contrôles d'ambiance électronique qui nous permettent d'avoir une gestion automatique contrôlée de tous nos équipements, que ce soit au niveau ventilation, entrée d'air, chauffage, alimentation. Puis on peut avoir même accès à cette console-là à distance avec nos téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs extérieurs, etc. C'est sûr que j'aimerais que ma fille prenne la relève. Moi, j'ai seulement un enfant. Fait que ma fille, Lauriane, est avec nous autres. Elle travaille l'été pour la compagnie depuis 3 ans. Et puis là, elle est aux études en gestion d'entreprise agricole. Je souhaite qu'elle fasse partie de la relève, comme on dit. Lauriane Couture, productrice d'œufs. Écoval, bien, c'est 2... poulailler de pondeuse pour les œufs de consommation. Bavibel, c'est un petit peu plus gros, c'est à peu près 80 000 poules. Après ça, chez Coval, c'est 50 000, mais il y en a à peu près 25 000 ici. On a notre vétérinaire, fait qu'on a une équipe multidisciplinaire, puis on a des bonnes personnes à la bonne place. Fait que ma fille, elle va se sentir appuyée, entourée de ce bon personnel-là. Puis moi, ce que je veux, bien, regardez, on vient de finir de bâtir ce bâtiment-là. C'est sûr que je vais le faire en grande partie pour elle. Fier d'être producteur d'œufs. Moi, mon père, il m'a donné, à moi et à ma sœur, la passion de l'agriculture. D'ailleurs, notre slogan, c'est ça, l'agriculture avec passion. Scrap, 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 scrap.